Hoyo Minasan, c'est Gunshu. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc voilà, je suis de retour. Donc voilà. Oui, voilà, est-ce que je peux mettre une petite figurine? Je crois qu'une fois j'en ai ramassé, mais j'ai oublié de les mettre, je pense. Un journaliste ne devrait jamais croire qu'il a réussi tant que sa vie n'a pas été mise en danger. Waouh. Personnellement, j'ai très bien réussi dans ce métier. T'as percé, ouais. Je fais quelques modifications sur des armes et j'arrive après. En fait, j'ai oublié que j'avais un monté à niveau, donc je vais remonter, on va dire. Ça. Hop là. Et voilà, scientifique. Ça c'est bon. Donc, je retourne fabriquer si parce qu'il manquait ça. Chose... Ok. Bon, belle journée. Il va falloir où on va. Je cherche de l'aide. Belle journée. Où on va. Tu vois, c'est la Piper, je pense, à un moment. Vous trouverez ce que vous cherchez. Je le sais. Ok, d'accord. Donc là, j'ai changé les grosses pétoires. Ça, je vais mettre là. Oh, je vais me trimballer avec le miniature, je pense. Pour changer. Ok, bon, ben maintenant que je suis paré, hein, on va y aller à l'aventure. Là. J'espère que j'ai pas beaucoup. Ouais, ça va, je suis à 295, ça va. Je serais prêt à faire 100 bornes à pied si je savais qu'une pile de capsules m'attendait à l'arrivée. Oui, celle-là. On voit pas. Normalement, ça devrait être vers là. Ok. Enfin, j'équipe comme ça en mode what the fuck. Ok, d'accord. Bon, mais c'est parti. Hein. Allons à l'aventure, les amis. Allez, allez, à l'aventure. Allez. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai comme quête à faire? Arrêter les pierres, station Berland, ok. Place nette pour tamper une bluff, ok. Et le devoir ou le déshonneur, ok. Ok, on va faire ça. D'abord, je vais faire la station d'Oberland. Alors, station. Et voilà, on est de retour et on est arrivé là. Je veux juste faire un échange. Pardon.
Ça fait plaisir de vous voir. On a des problèmes avec des pillards. Ah bon ? Dites-moi ce qui se passe. Ils sont arrivés en force il y a quelques jours. Ils étaient trop nombreux. On a été obligés de céder à leur demande. Ils ont dit que tant qu'on leur paierait un tribut, ils nous laisseraient tranquilles. Au moins, on sait où ils se cachent. Tenez, je le marque sur votre carte. Ok. Il y avait combien de pillards ? Ils sont trop nombreux pour nous. Mais je parie que vous n'aurez aucun problème. Ok. C'est parti. Je vois où c'est. Ok, ils sont où les pillards là ? Je vais ? Ok. Voilà, c'est fait. Ok, de retour. J'ai fait place nette pour une nouvelle colonie. Dites à vos amis qu'ils peuvent s'y installer. Ça fait plaisir d'avoir une bonne nouvelle pour une fois. Ok, bon, maintenant on va parler à Preston, hein. Ok, d'accord. Un jour... Okay. Sanctuaire on va échanger, deviendra une on va communauté très vivante. Je l'ai vu. Preston, où es-tu ? Où es-tu ? Tu es là ? Si vous n'avez pas encore vu Grey Garden, vous devriez aller y faire un tour. Encore un succès pour les miliciens. J'ai aidé la colonie où vous m'aviez dit d'aller, et préparé le terrain pour l'installation d'une nouvelle. C'est fantastique. Si on continue comme ça, on aura bientôt repris la totalité du Commonwealth. En tout cas, vous tombez bien. J'ai déjà une nouvelle mission pour vous. Tiens, déjà ? On m'a signalé qu'une colonie est menacée par des pillards. Je vais l'indiquer sur votre carte. Allez voir ce que les gens veulent. Ce serait bien de rallier d'autres colonies à notre cause. Ok. Bon. Vous vous souvenez de cette colonie qui avait besoin d'aide ? Tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux. C'est comme ça qu'on va regagner le Commonwealth. Une petite victoire après l'autre. Mais notre boulot est loin d'être fini. On savait à quoi s'attendre quand on s'est engagé. Une colonie nous a contactés. Elle a réussi à repousser une attaque de super-mutants. Mais ils ont peur que les super-mutants reviennent en force. Vous feriez mieux d'aller les voir avant qu'il soit trop tard. On a survécu à une journée de plus dans le Commonwealth. Youpi. Youpi. Putain, mais on doit me redonner deux nouvelles quêtes, quoi. Lol, quoi. Je crois que je vais faire devoir ou le déshonneur, tiens. Et voilà, je suis de l'auteur. Allons-y. Vous avez vu ces synthétiques au visage en plastique ? Ils me filent la chair de poule. J'ai pas de temps à perdre quand il y a du travail. Laissez-moi deviner, c'est le capitaine Kells qui vous envoie ? Exact. C'est vous le responsable ici ? Oui. Et vous, vous venez au sujet des provisions qui ont disparu. Allons discuter en privé. Suivez-moi. Ok. On a converti cette partie du terminal pour en faire notre dépôt d'approvisionnement principal. Tout ce dont la confrérie a besoin pour ses opérations passe par ici. Provisions venant du prix d'Ouen, matériel récupéré sur le terrain, on s'occupe de tout. Écoutez. C'est pour ça que je n'apprécie pas ce genre d'accusation. Je connais tous les soldats de cette unité. Ça me rend malade qu'on puisse remettre leur loyauté en question. Si vous avez des questions, posez-les. Sinon, laissez-nous faire notre travail. Par où dois-je commencer mon enquête ? Vous feriez mieux de ne pas la commencer du tout. Ça n'est qu'une perte de temps. J'ai déjà parlé à mes hommes. Ils n'ont rien vu. Les scribes de Tigan ont dû se gourer. Ce ne serait pas la première fois. Si vous tenez vraiment à interroger quelqu'un, allez enquiquiner Lucia ou Clark. Je peux me passer d'eux. Lucia et Clark ? Le chevalier Lucia et le conscrit Clark.
Ils sont dans l'équipe depuis quelques semaines seulement. Ils en sont encore à apprendre le boulot, mais ils seront bientôt opérationnels. Okay. Alors quitte à enquiquiner quelqu'un avec vos questions, autant que ce soit eux. Parlez-moi des provisions qui ont disparu. À en croire les scribes, il nous manque une vingtaine de caisses. Uniquement de la nourriture. Viande séchée, purée, pâtes, ça n'a aucun sens. Je comprendrais qu'on puisse voler des armes ou de la technologie. Mais qui prendrait autant de risques pour avoir un stock de crame à vie? Ce sera tout pour le moment, sergent. Suivez mon conseil. Posez quelques questions, puis retournez dire au capitaine de lâcher l'affaire. Ça n'en vaut pas la peine. Ok. Bon, on va parler... Vous êtes là au sujet des vols, pas vrai? Non. J'ai déjà dit tout ce que je savais au sergent Gaville. Vous avez déjà parlé à Gaville? Il nous a tous interrogés dans l'unité. Personne n'a rien vu. Écoutez, je tiens tout autant que vous à ce que la lumière soit faite sur cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la sécurité? On est au milieu d'une base militaire lourdement gardée. Rien ne peut entrer ou sortir sans que l'on soit au courant. Vous pensez vraiment que la base ne risque rien? Oui. Et même si un intrus arrivait à atteindre le dépôt d'approvisionnement, il y a en permanence des chevaliers à l'intérieur. On verrait forcément quelque chose. Parlez-moi des provisions qui ont disparu. Je ne sais pas grand-chose. J'ai entendu les rumeurs, comme tout le monde, mais c'est tout. Quelles rumeurs avez-vous entendues? On raconte que des pillards équipés de Stealth Boys attaquent le terminal toutes les nuits. Et que les provisions disparaissent plus vite qu'on les fait rentrer. C'est n'importe quoi. Je travaille souvent de nuit. Et croyez-moi, si on risque de mourir de quelque chose à ce moment de la journée, c'est bien d'ennui. Parlez-moi de la division de logistique. On est une dizaine maintenant. Quelque chose comme ça, oui. On dépend du connétable Tigan, qui se trouve à bord du Pridwen. Le sergent Gaville gère l'unité au quotidien. Ça fait des années qu'il s'en occupe. En plus du sergent, il y a Lucia, moi, les scribes, et quelques autres chevaliers qui ne sont pas aptes aux missions de terrain. Lucia? Excusez-moi, le chevalier Lucia. On a rejoint la confrérie ensemble. Elle sera sûrement bientôt affectée à une patrouille. Moi, je pense que je resterai ici. Ce sera tout, conscrit. Chevalier. Okay. Vous trouvez que ça va mal dans le Commonwealth? Vous devriez voir les terres désolées de la capitale. Bon, on va parler à la... Lucia. Fil de cuivre... Pouvez-vous me dire où... Oh, pardon. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Chevalier Lucia, de la logistique. Je peux vous aider, chevalier? Vous avez le temps de répondre à quelques questions? Oh, vous devez être là au sujet des provisions qui ont disparu. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider, mais... Que voulez-vous savoir? Vous pouvez me parler de la sécurité? C'est du sérieux. Il y a au moins deux chevaliers et un scribe de garde en permanence. Sans compter qu'il y a toute une base autour de nous. On n'a pas grand-chose à craindre. Est-ce qu'il est possible de contourner le dispositif de sécurité? Il faudrait faire partie de la division de logistique. On est les seuls à avoir l'autorisation de faire entrer ou sortir des provisions du dépôt. Mais ensuite, ce serait impossible de faire sortir une caisse entière de la base. Avec toutes les patrouilles, quelqu'un s'en rendrait forcément compte. Et de toute façon, quel intérêt de voler quoi que ce soit? La confrérie nous fournit tout ce qu'il nous faut. Et ce n'est pas comme si l'un de nous avait de la famille dans le Commonwealth. Je ne sais pas. Cette histoire n'a vraiment aucun sens. Vous savez quelque chose sur les provisions qui ont disparu? Pas vraiment. Je crois savoir qu'il s'agit juste de nourriture. Et des tubes à vide aussi. Ah non, désolé. Eux, ils ont été égarés après. Tubes à vide... Il vous manque des tubes à vide? Ça arrive souvent que du matériel se perde ici? Non, quelqu'un les avait mal rangés, apparemment. Clark les a retrouvés le lendemain. Ce genre de petits soucis arrivent, mais jamais rien d'important. Quoi que le sergent en dise, le connétable Tigan et ses scribes sont très rigoureux. Je veux bien qu'une ou deux caisses se perdent, mais une vingtaine, non. Comment est le travail à la division de logistique? Ce n'est pas un mauvais poste. Le sergent Gaville n'est pas tendre, mais j'ai beaucoup appris avec lui. C'est un travail qui plaît à certaines personnes et pas à d'autres. Clark fait partie de la seconde catégorie. Si vous me parliez de Clark... On a rejoint la confrérie à peu près en même temps, il y a environ 2 ans. Et un truc avec Clark. On est toujours posté au même endroit. Normal pour des nouvelles recrues. C'est tout pour l'instant. S'il vous faut autre chose, dites-le-moi. Alors, où j'en étais?
Je crois qu'il y a un truc avec ces deux là. Gaville ? Alors, vous n'avez rien trouvé. Je vous avais dit que c'était une perte de temps. Écoutez, j'ai interrogé tous les soldats de cette unité. Si je n'ai rien découvert, vous n'aurez pas plus de succès. Si vous tenez vraiment à perdre votre temps avec cette affaire, laissez mes hommes tranquilles et cherchez des preuves concrètes. Vous avez le soutien du capitaine, non ? Vous pourriez retourner toutes les couchettes du prix d'Ouen et personne ne lèverait le petit doigt pour vous en empêcher. Et sinon, je peux faire autre chose pour vous ? Parlez-moi de la division de logistique. Je dirige cette unité depuis près de 10 ans. On n'est pas très nombreux, mais on se serre les coudes. Et c'est grâce à nous que la confrérie peut fonctionner. C'est tout. C'est tout. Là, comment il se croit important, quoi. Ok, ok. Ne vous fiez pas à l'âge de Maxon. C'est un soldat expérimenté, doublé d'un tacticien de génie. Et un petit tour en hélico, et un. Vous avez déjà utilisé un minigun ? Ouais. Ça découpe les goules sauvages comme du papier mâché. Sérieux, ouais. C'est pas faux. Unité Delta au rapport sur la passerelle. Je répète, l'officier de l'unité Delta est attendu sur la passerelle. Merde. Les ailes. Génial. Vous avez déballé le cadeau ? Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Thank you.
une courte pause, j'arrive après. Et voilà, de retour, allons-y. Allez, on descend en bas. Ok, bon, où je vais arriver? Okay. Pour ces têtes baissées et toutes armes dehors, c'est un excellent moyen de se faire tuer. Ah bon? Pourtant je fais ça et je tue tout le monde. Je crois que c'est celui-là. Et voilà, nous sommes arrivés. Jamais le dos à un artilleur. Sauf si vous aimez vous faire descendre en traître, bien sûr. Rien à signaler pour le moment, chevalier. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Chevalier ? Chevalier ? Alors, toi ? Vous protégez Clark. Pourquoi ? Hein ? Qu'est-ce que vous racontez ? J'ai lu votre journal intime, Lucien. Je veux savoir ce qui se passe. Pardon ? Je... Bon, d'accord. Mais lol. Clark et moi avons rejoint la confrérie à peu près en même temps. C'est mon meilleur ami depuis des années. Mais depuis la bataille... J'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi. Oh. La bataille ? La bataille de l'aéroport. Notre première mission de combat. C'était vraiment quelque chose. Le prix Dwayne est arrivé en faisant feu de tout bois avec son escorte de Vertiter. Notre unité a été l'une des premières au sol. Il y avait des dizaines de ghouls sauvages. On a ouvert le feu et elles sont tombées comme des mouches. Après, on a traqué les survivantes. C'était exactement ce que j'espérais. Mais Clark... Depuis ce jour, il n'est plus le même. C'est comme s'il avait baissé les bras. Depuis, j'ai remarqué qu'il lui arrivait de s'isoler une ou deux fois par jour. Je n'y avais jamais vraiment accordé d'importance, mais... Vous pourriez peut-être le suivre pour voir ce qu'il fait. Il va quitter son service dans quelques minutes. Ce n'est peut-être rien, mais... Je me fais du souci à son sujet. Ok. C'est dingue de se dire que les super-mutants étaient humains avant. Ah bon ? Comment la science a pu déraper à ce point ? C'est à cause des scientifiques fous ! Voilà ! Ils ont dit, hop là, une bombe nucléaire, plus quelques produits chimiques, et ça fait des super-mutants. Ok, l'autre se barre, on va essayer de le suivre discrètement, trop s'approcher, bien évidemment. Je ne suis plus de service, là. Laissez-moi tranquille. Ah, mais je suis plus là. Je ne sais pas ce que vous me voulez, mais ça peut attendre. Ok. Tu vas comme ça, toi ? Hé, hey, qu'est-ce que vous fichez ici ? Où est-ce que vous allez ? Je vais juste marcher un peu. J'ai besoin de sortir de temps en temps. Je reviens dans quelques minutes. Pas la peine de m'attendre. Hé, hey, Clark. Je ne suis pas de service. Laissez-moi tranquille. Okay.
Croyez-en mon expérience. Les inconscients et les grandes gueules finissent bien souvent entre quatre planches de bois. À moi. Mon tour de garde a été long. Mais ça me fait plaisir de voir qu'on est en train de changer les choses ici. Je n'ai pas envie de parler. Conscrit. Excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Il se bug. Ça sert à quoi de ramasser toutes ces cochonneries ? Le truc qui est passé par là. Merde. Clark ? Je n'ai pas envie de parler. Ok, rentre dans ça. Dans les ruines ? Derrière la porte, qu'est-ce qu'il fout dans la ruine, lui ? C'est bon. Je dois trouver cette carte. Il faut que je trouve la carte. Raylan, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? C'est louche, ça. C'est super louche. Je t'attends ! J'ouvre le feu ! Fini de jouer ! Impressionnant, non ? Non mais que... Mais what ? Ta gueule, la machine, là ? D'abord, on va se tremper, et après, on sera gelé. Déjà que c'était pas l'extase. Ah, par là. Oui. Merde. Mais... Voilà.
sera pas long. Et un macabé de plus à mon compte. La ferme. La ferme. Ok, move, quand même. Boule sauvage par ici. Sans qu'on nous observe. C'est sérieux, toi? Franchement, il est sérieux, ce mec. Voilà, l'épisode est terminé. Donc voilà, c'était un épisode de plus de 1 heure. Donc je l'ai coupé en 2. Donc voilà, comme d'hab. Donc je vous invite à attendre le jour suivant pour continuer la suite, on va dire, et comprendre pourquoi cette personne est là. Donc voilà. Donc c'était Gunshow. Bye bye.